Bonjour, messieurs, dames. C'est vraiment un honneur de venir ici. Je dois d'abord dire que je suis australien, donc mon français, ce n'est pas le meilleur qu'on peut avoir. Et depuis presque 6 ans maintenant, j'habite en Allemagne, dans l'équipe de Peter Fratzel. Alors, j'habite pas dans l'équipe, mais j'habite à Berlin, à Potsdam. Et donc, c'est possible qu'il y ait quelques mots en allemand, quelques mots en anglais qui vont arriver dans mon présentation. Et c'est bien possible que je vais parler un peu plus lentement que prévu. Comme ça, il y a beaucoup plus de temps de réfléchir, et beaucoup plus de temps de regarder des films. Et donc, aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est sur l'histoire, la richesse des matériaux naturels pour les actuateurs passifs. Donc, je ne vais pas parler sur des systèmes artificiels. L'exemple que je vais faire tourner là, c'est un artiste autrichien qui fait bouger les plantes, mais avec la mécanique. Il utilise des ventilateurs, etc. Mais dans le monde naturel, bien sûr, les choses se bougent tout seul. Donc, d'abord, je voudrais remercier quelques gens parce que c'est... Hop, il fait des trucs bizarres là. Bon, pas grave. J'espère. Bon, peut-être ça va. Ça, c'est. Bon, c'est toujours le truc, c'est quand on fait des films, les ordinateurs font des trucs bizarres. Bon, je suis désolé. Bon, je dois remercier les gens de mon équipe, surtout Peter Fratzel, qui m'a permis de travailler dans ce domaine très intéressant. Et puis, en plus, quelques collègues de Harvard, James Weaver, qui fabrique des structures qui peuvent bouger pour nous. En plus, des collègues de mon groupe, Sébastien Turcot, qui est dans l'audience. Et peut-être vous allez avoir la chance de parler avec lui plus tard. Et des autres collègues de mon institut. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est le mouvement dans les plantes. Il y a beaucoup d'exemples où des plantes peuvent bouger. Il y a des exemples quand des graines ou des spores doivent être propagées dans le vent. L'ouverture des pores, des stomates dans les feuilles. Les exemples où les plantes mangent quelque chose d'autre. Ça, on connaît bien. Il y a des mouvements des tendrils. Et puis, il y a des mouvements de réorientation à cause d'un changement mécanique, comme Yves a parlé tout à l'heure. Bon, ces vitesses de mouvement peuvent aller entre quelques microsecondes. Donc, ça, c'est l'exemple que je vais montrer tout à l'heure du mûrier. De quelque chose comme le Dionée attrape-mouche, que tout le monde connaît, jusqu'à la chaîne qui bouge très très lentement, qu'on n'aperçoit pas de tout, parce que c'est si long que ça. Je vais parler plutôt des échelles plus lentes et quelques échelles dans le temps de minutes et heures dans mon talk. Donc l'exemple de mûrier, c'est extraordinaire. Ce n'est pas la recherche qu'on fait nous, c'est un groupe Taylor et compagnie. Et c'est un système élastiquement chargé qui permet le pollen d'être jeté dans l'air. Donc, ce type de système, c'est chargé chimiquement, et puis la chimie pendant la croissance permet qu'il y ait des fortes contraintes élastiques qui vont rentrer dans cet organe. Et puis, quand on se relâche, toute cette énergie élastique va être transmise au pollen et jetée en air. Et ce type de mouvement, c'est très, très rapide. Il y a l'exemple qu'on a joué il y a quelques mois à la maison. C'est le Dionée attrape-mouche. Il y a 3 poils qui sont sur les feuilles. Là. Et ces poils sont liés à des senseurs biochimiques. Et quand les 2 de ces 3 poils se bougent, il y a un changement de la chimie dans la feuille, un changement de pression osmotique, et puis il y a le collapse également élastique. Et puis, il y a aussi l'exemple de mimosa. Bon, ça, c'est les exemples que tout le monde connaît, en fait. Et c'est des exemples
qui sont très difficiles pour l'ingénieur de copier, parce qu'il faut, copier la chimie, il faut copier la biologie. Et comme Yves a parlé dans toute cette série de lectures, comme ingénieur, on est intéressé plutôt à comment on peut construire une architecture qui peut nous donner une fonction qui nous intéresse. Et donc, je vais plutôt parler dans le reste de la talk sur le rôle de l'architecture dans des tissus, dans les plantes, et plutôt le rôle de l'architecture dans les tissus qui se construisent de seulement, essentiellement, trois éléments. On a du cellulose, c'est une molécule très très raide, souvent cristalline dans les plantes. Il y a des molécules matrices, des molécules comme des hémicelluloses ou quelque chose comme du lignine. Et puis, bien sûr, il y a de l'eau. L'eau, et c'est très important dans les structures biologiques. Donc, d'abord, je vais commencer. Et toutes ces structures-là sur lesquelles je vais parler, ils n'ont que ces trois éléments-là dedans. Et avec ces trois éléments-là, en jouant avec l'architecture, on arrive à avoir beaucoup des différents styles de mouvement de fonction. Donc, je vais parler d'abord des mouvements des branches des arbres. Yves va parler déjà comment ça change pendant la croissance. Je vais parler des arbres gymnospermes et angiospermes. Et puis ensuite, je vais parler de dispersal, comment les graines se dispersent dans la nature. Donc, si on regarde le bois, si on va regarder si ça marche. Tac. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà, OK. Si on regarde le bois, bois, comme il va dire, c'est un matériau hiérarchique. On voit les anneaux qui se produisent chaque année. Si on regarde de plus près, on voit que le bois, c'est en fait un système poreux, comme un nid d'abeille, avec les cellules qui sont plus ou moins gros, avec des parois qui sont plus ou moins épais. Si on regarde de plus près, avec... je ne sais pas ce qui se passe là, mais avec le... peut-être... Ah, non, ça marche. Si on regarde de plus près, on a, dans ce cartoon, on a des fibres de cellulose qui s'entourent le trou au milieu. Et ce qui est important, c'est l'angle que les fibres de cellulose ils ont par rapport à l'axe longitudinal du cellule. Aussi, on peut regarder ça à peu près dans ce dessin-là. On a des molécules de cellulose qui sont tournées en spirale, qui sont très, très raides, quasiment ne se déforment pas pendant la déformation. Et puis, entre ces molécules-là, on a un matrix de hémicellulose qui se gonfle, qui se change de volume quand l'eau rentre entre les fibres ou se sort des fibres. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a dans l'architecture. C'est s'il y a les changements d'humidité, il y a des fissures qui peuvent se former liées à les contraintes qui se développent à cause de le changement de volume entre les fibres. On peut regarder ça un peu plus près. Cette cliché qui vient de microscopie électronique en balayage. Et là, on voit très bien les fissures qui se forment en séchant. Donc, c'est un coupe longitudinal de ces cellules-là. Et on voit très, très bien ces angles de ces fibres. Et pourquoi c'est important? Il va parler un peu qu'il y a des différences de flexibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être. Déjà, ça va. On a des courbes de contraintes de déformation sur cette image-là. Pour
les angles de microfibrilles, comme on dit, de ces fibres de cellulose différentes. Donc ça, c'est pour un système où les angles sont quasiment longitudinales. Et dans ce cas-là, on a plutôt un comportement très élastique, très rigide, très raide, parce que toute la contrainte qui s'impose sur les fibres s'est transmise directement sur les fibres elles-mêmes. Et si on augmente cet angle, on commence à avoir des cellules un peu plus moues et un peu plus flexibles suivant l'angle. Bon, je vais voir si j'arrive à traverser le prochain diapo. Je suis désolé. Ah, voilà. OK. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces angles dans quel type de bois? Donc, si on fait une balade à Potsdam, bon, à l'image, c'est un peu noir. Bon, peut-être on va sortir aux lumières. Et on regarde des arbres jeunes, comme Yves a parlé. Bon, ces arbres jeunes, ils ont des gros angles. Et ça permet à cet arbre-là d'avoir une très, très grosse flexibilité. Quand il y a beaucoup de neige, par exemple, les arbres peuvent se déformer et ils ne vont pas se casser. Par exemple, par contre, quand les arbres devient beaucoup plus gros, donc le bois ici doit supporter tout ce poids, plus la neige, etc. Avec le propre poids de ces arbres-là, avec un gros angle microfibrile, l'arbre se collapse par terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme Yves a dit, les arbres ils vont avoir dans le bois plus nouveau les angles de microfibrille beaucoup moins moins raide. Dans les arbres gymnosperme, donc est-ce que je pense que j'ai bien traduit, il y a un autre système, et je vais parler de ça à tout à l'heure. En fait, sous les branches, on a un type de tissu très spécial avec un très très grand angle microfibrille qui peut se former des grosses contraintes en compression qui poussent le bras par haut au lieu de tirer le branche par haut, pas le bras, mais branche. Bon. Dans les différents bois, dans les bois durs, les bois moins mous, j'imagine ça c'est la traduction, on a sur la plus haute partie de la branche plutôt le bois normal, avec des angles microfibrilles plutôt petits. Au-dessous, on a ce compression wood, c'est le bois de compression, avec des gros angles microfibrilles. Et dans les hardwoods, les bois durs, il y a un tissu qui est très spécial, qui a un angle microfibrille presque à 0 grade, et au 0 degré, qui se trouve en haut des branches. Bon, on va regarder ça un peu plus près. Bon, qu'est-ce qui se passe si on prend des morceaux de bois de ces différents types et on va essayer de les coller ensemble? Bon, on va voir si on a un peu de... Ah oui, le fil marche, donc déjà, ça c'est quelque chose. Donc on a un bois avec un petit angle microfibrille collé avec un bois avec un gros angle microfibrille, on met dans une chambre où on peut changer l'humidité, et on a un petit senseur, normalement il y a une lumière qui doit tourner rouge, voilà, quand cette bilame a changé. Donc c'est le même principe en fait que le thermocouple qu'on trouve dans le chauffage à la maison. Comment ça marche? Si on regarde encore nos dessins et l'exemple en microscope électronique en balayage. Deux exemples où on a un avec un très grand angle microfibrille, un avec un petit angle microfibrille. Donc c'est des cylindres. Donc on va faire un Gedankenexperiment et on va couper au long de ces cylindres. Au long de cette ligne-là. Est-ce que ça va marcher? Non. Bon.
Ah, oui, ça marche. Cool. OK, donc on fait le couple. Et puis, on va ouvrir ces coupes-là et on va les aplatir. Qu'est-ce qu'on va voir? Okay, on va voir des morceaux de bois avec des fibres qui sont très raides, presque pas déformables, avec des différents angles, comme ça. Et si ensuite on retrouve, on coupe un petit morceau de ça, ou au l'angle diagonal de cet rectangle, on a un fibre qui n'est pas déformable, et sur cet rectangle-là, on a un fibre qui n'est pas déformable, et on va gonfler le matériau entre les fibres, avec de l'eau, par exemple. On peut aussi faire ça avec des solutions, avec du sel, des choses comme ça, on a des effets intéressants. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on gonfle, on essaie de maximiser l'air de cet rectangle. Donc, si on maximise l'air de cet rectangle, l'air maximum d'un rectangle, c'est un carré, bien sûr. Donc, si on maximise cet rectangle-là, ça va allonger les directions longitudinales. Et si on fait la même chose dans cet exemple-là, avec l'angle plus petit, ça va diminuer la longueur. Donc, en fait, cette méthode assez simple, avec les mêmes matériaux, avec juste un paramètre d'architecture différent, ça c'est l'angle de spirale de ces fibres de cellulose, on arrive d'avoir, avec le gonflement à cause de l'eau, une élongation des cellules et une diminution, une réduction de la longueur des cellules. Donc c'est très rigolo, et c'est utilisé dans la nature, dans les différents types de bois que je vous ai parlé à tout à l'heure, pour aider l'arbre de garder les branches en haut. Bon, je vais voir si je... OK. Bon, passer au suivant. Donc là, on va passer à des angiospermes. Donc c'est un autre style d'arbre du côté évolutionnaire, donc un peu plus avancé avec des différents systèmes pour créer des contraintes dans les arbres. Donc je parle toujours des mouvements très très lents. Et dans le peuplier, il y a un bois spécial qui s'appelle le bois de tension, qui se trouve en haut des branches. Donc c'est un bois de réaction qui crée des contraintes énormes, presque 70 mégapascales. Et c'est intéressant parce que cette bois-là, c'est une structure un peu différente que les autres. Il y a les microfibrilles dans ce dessin-là qui s'entourent le cellule. Mais le cellule s'est rempli des fibres qui sont presque longitudinales. Et on voit ça un peu mieux dans cette image-là en microscopique électronique en balayage. Et on voit tous ces cellules-là sont remplies d'une espèce de gel fabriqué qui est fait de cellulose. Ce n'est pas bien attaché à les murs des cellules. On peut utiliser un enzyme du cellulase pour se retirer facilement. Et ce qui est marrant, en utilisant les techniques de diffraction aux rayons X que Yves a parlé tout à l'heure, si on fait des clichés de diffraction de rayons X sur ce bois-là, on a un angle qu'on peut mesurer des angles de cellulose qui est plutôt de 0 degré. Et si on fait ça après le traitement avec le cellulase, avec cet enzyme, qu'on a retiré ce couche G ou couche gélatineuse, on a un angle mesuré de 37 degrés, qui est plutôt le même que le bois normal qu'on trouve dans les autres espèces. Donc ça, c'est les premières informations qu'on a. On voit aussi que quand on fait des courbes de traction avec ou sans cette couche cellulosique, de couche gélatineuse, avec, on a ce courbe de traction qui est un peu bizarroïde, où il y a beaucoup
des perturbations qui indiquent que les fibres ne se collent pas complètement bien aux parois. Et sans cette couche gélatineuse, on a une courbe de traction qui est plutôt normale pour le bois normal. Si, en retirant cette couche, on a aussi une élongation des cellules qu'on peut mesurer juste en microscopie et une rétraction en direction tangentielle. Donc ça nous donne l'idée que d'un modèle pour ce système où on a ces fibres longitudinales de gélatineuse qui se trouvent dedans la cellule, on a des fibres en angle de 37 degrés qui dans le paroi secondaire. Et si on regarde dedans, qu'est-ce qui va se passer quand on fait gonfler avec l'eau? Entre les fibres, on met de l'eau, bon, ça devient bleu, bien sûr, et ça va exercer une pression sur les parois, et à cause de l'angle de 37 degrés qu'on a dans le paroi là, on va avoir un rétrécissement du cellule à la même temps qu'on va avoir un gonflement. Donc avec ce système-là, l'arbre arrive de créer des fortes contraintes, jusqu'à 70 mégapascales, dans cet bois de tension. Donc, Alors, voilà. Maintenant, je vais faire une petite excursion de deux systèmes qui utilisent à peu près les mêmes choses. Donc, j'ai regardé ce matin pour un peu la traduction de ces espèces, donc les trèfles des prés, ou le clé en allemand. C'est très rigolo, parce que pendant la croissance, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, on regarde après une plante après 7 semaines, où chaque 4 ou de 5 semaines, on retire le sol d'un côté des racines, et puis on fait des photos. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la partie ici, où il y a les feuilles qui s'attachent, ça bouge et ça rentre dans le sol avec la croissance. En plus, on voit la distance entre cette branche de petites racines, je ne sais pas exactement le terme scientifique correct pour ça, cette distance-là, ça diminue avec croissance. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde en coupe longitudinale le tissu dans cette région-là, on voit qu'on a un tissu plus ou moins long, donc ça c'est vers l'extérieur, ça c'est vers l'intérieur, on a un tissu fortement déformé. On voit dans ces cellules plutôt longitudinales, le partie rouge qu'on voit, c'est du lignine. Et on voit qu'aussi, il y a des fibres fortement, sont très, très noires, fortement remplies de cellulose. Si on regarde sur une coupe transversale, on commence à voir encore nos cellules qui se ressemblent vachement à ce qu'on a vu dans le papier. Donc, ces cellules remplies de matière gélatineuse ou en utilisant pas le rayon X cette fois-ci, ça n'a pas très bien marché malheureusement, mais en utilisant du spectroscopie de Raman, on peut deviner que la partie à l'intérieur, les fibres sont plutôt orientées parallèles au l'axe longitudinal des cellules. Et si en utilisant du Raman, on voit que sur les bords, sur l'extérieur de ces cellules-là, les fibres sont plutôt parallèles à l'écran, ça veut dire qu'on a cette histoire de spirale en cours. Juste parce que c'est joli, mais c'est plus ou moins la même chose qu'on a vu à tout à l'heure. Allô? Bon. Alors, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Ah, voilà, ça c'est mieux. Juste parce que c'est joli. Ça, c'est un couple de ces tissus du clé,
vu par ICEM et coloré pour faire joli. Et puis ça, c'est après la même pratique avec cette enzyme de cellulase qu'on a vu à tout à l'heure avec le peuplier. Donc l'idée de qu'est-ce qui se passe avec le clé, c'est qu'on a au centre ces tissus gélatineuses qui permettent de créer des énormes contraintes qui tirent la plante dans le sol, dans le sol. Et à l'extérieur, plutôt un tissu normal. Et pourquoi on a ça? Bon, on peut regarder au dehors aujourd'hui, il y a encore un peu de neige qui reste. C'est très intéressant pour la plante de se protéger. Cette partie-là où il y a les feuilles qui se forment et se propagent. Donc, pour protéger, il faut seulement retirer la plante de tirer la plante dans le sol. Comme ça, le terre se protège thermiquement la partie délicate du plante. Et comme ça, quand éventuellement on va avoir le printemps, les plantes peuvent se repousser et reformer des feuilles, etc. C'est rigolo, il y a un autre groupe qui a récemment trouvé le même style de tissu dans le concombre. C'est un groupe de Mahadevan à Harvard. Il fait des travaux extraordinaires dans ce domaine, spécialement dans les systèmes qui croient et qui se bougent. Et ils ont trouvé, si on fait un coupe dans les tendrils qui supportent les concombres, on a une couche de tissu qui a un signal qui est très similaire à ce que nous avons vu dans le peuplier et le clé. Et cette couche-là a un très intéressant des propriétés qu'il y a une espèce de chiralité qui est construite dans ce tissu-là. Pourquoi? On ne sait pas encore. Bon, maintenant je vais passer à des systèmes un peu plus rapides de ce qu'on a vu là. On va regarder la dispersion des graines dans les différents systèmes. Et ça, c'est un exemple que tout le monde connaît. Ça, j'ai fait avec mes neveux l'été dernier. Donc, il y a un qu'on voit au derrière de temps en temps qui se met de l'eau là-dessus. Et puis, après que c'est fermé, après c'est complètement mouillé, on a utilisé un chauffeur très costaud. On voit que ça commence à cramer à la fin là. Mais on voit qu'on a un mouvement très complexe avec le changement d'humidité. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est connu là-dessus? Donc, c'est intéressant. Il y avait, même en 1914, un monsieur Shaw, je pense aussi un George Shaw, mais pas George Bernard Shaw, c'est George, Edward Shaw, un des familles, qui a regardé la microstructure avec des dessins, mais vraiment extraordinaires, de les écailles qui se construisent de ces pommes de pin. Et ce qu'il a remarqué, c'est, en fait, dans les écailles, on a deux styles de tissu. On a un tissu ici, on voit les cellules sont plus ou moins remplies avec quelque chose. Et en bas, on a un tissu plus ou moins creux avec des gros fibres dedans. Et je me suis amusé l'année dernière avec des étudiants d'une école de Potsdam qui sont venus faire un petit stage dans le labo. Et on a mis des écailles de pommes de pin dans un instrument de tomographie. Et on a eu une image comme ça. On a commencé à dessiner ces fibres-là. On n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il faut faire chaque couche par couche. Et pour eux, c'était beaucoup. Mais on voit une structure très intéressante avec des fibres très orientées dans les écailles. Aussi, on ne voit pas très bien avec le contraste de tomographie, mais aussi on a pu voir ces deux styles de couches-là. Une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est la microscopie acoustique.
Donc là, c'est la même chose que les pêcheurs utilisent du sonar en gros, mais c'est des sonars en petit dans cet exemple-là. On fait une carte de la vitesse sonore sur notre échantillon. Donc là, on a fait ça dans un petit partie d'une section traverse de notre écaille. On voit qu'il y a un de nos fibres que M. Shaw a vu il y a presque 100 ans d'aujourd'hui. Et on voit les deux styles de tissu. Ce qui est marrant, c'est si on regarde ça d'une section plutôt longitudinale sur l'écaille, on voit un contraste très très différent. Ça veut dire que ces fibres-là sont très anisotropiques et les fibres de cellulose dans ces cas-là sont orientées plus ou moins longitudinales par rapport à ces fibres-là. Et on arrive à peu près avec le même style de système qu'on avait dans le bilam que je vous ai montré à tout à l'heure. Donc l'idée est comment ça marche. On a deux styles de tissu, celle d'en haut et celle d'en bas, avec des fibres longitudinales qu'on a vues bien dans la tomographie. Et quand c'est gonflé, l'espace entre les fibres, ça gonfle, les fibres ne changent pas beaucoup en taille. Et quand on diminue l'humidité, on a un système qui se déforme en bilam, la même chose qu'on a dans les thermocouples. Un autre exemple très intéressant, c'est l'exemple de les... Ah, ça je ne sais jamais le mot en anglais, c'est ons. Peut-être on va appeler ça pour aujourd'hui, c'est pas les antennes de blé. Donc là, on a des graines de blé. Là, c'est un graine avec des espèces de poils qui sont attachés à des graines. Il y a une collègue, Rivka Elbaum, qui a fait des études sur cette variété de blé. C'est un blé très intéressant parce que c'est le blé original qu'on a trouvé dans le croissant fertile, peut-être c'est la traduction correcte, donc en Israël, Palestine, dans cette région-là. Et l'ancien style de blé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a ces grosses antennes comme ça, et le blé ne reste pas collé sur la plante. Mais après que les êtres humains ils ont commencé à cultiver ce blé, sélectionner. On est arrivé à l'espèce moderne avec des antennes beaucoup plus petites. Le blé se colle à la plante, donc c'est plus facile pour la récupération, pour utiliser le blé. Bon, et Rivka Elbaum, elle était intéressée dans la structure de ces zones-là, de regarder qu'est-ce que c'est la différence avec les variétés modernes. Et pendant cette période-là, elle a fait des images extraordinaires. Elle a regardé la surface avec Michaela Eder, un microscopiste et botaniste dans l'Institut, de microstructure du surface de ces antennes. Et ce qu'on remarque, c'est... il y a beaucoup de pointes, des petites crochets la surface, qui sont fabriqués en silica. Donc c'est la silice, le même on se trouve dans le verre. Et tous les pointes sont orientées dans une direction. Bon, non, je pense que tout le monde connaît ce sentiment qu'on essaie de caresser un chat. Il y a une bonne direction de caresser un chat et un mauvais. Bon, c'est la même chose avec ces plantes-là. Il y a une bonne direction et une mauvaise direction. Et dans une direction, ce n'est pas possible de glisser la main là-dessus. Donc ça s'accroche. Bon, on va garder ce truc en tête. Ensuite, Rivka a utilisé la microscopie normale,
plutôt avec des couleurs qui nous permettent de voir qu'est-ce que c'est la composition du tissu dans une section transverse de ces antennes. On a vu pas de différence, c'est la même chose. Mais quand on a regardé en microscopie acoustique, on a vu que, en fait, il y a deux styles de tissu. Il y a un qui est très raide, donc avec une très grosse vitesse sonore, et un qui est un peu plus mou. Bon, on a utilisé les rayons X de regarder l'orientation de cellulose dans cette région-là. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plutôt une orientation longitudinale, ça veut dire que les fibres de cellulose sont plutôt orientées parallèles du antenne de blé. Et dans cette partie-là, c'est plus aléatoire. Donc les fibres sont orientées un peu partout. Donc si on se souvient qu'entre les fibres, on a ce matériau, des hémicelluloses qui sont gonflables, dans cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas avoir un changement longitudinal du tissu, mais dans cette partie-là, on va avoir un gonflement qui est égal dans toutes les directions. Et donc, on va voir un mouvement avec un changement d'humidité. Vu ici, ce n'est pas beaucoup, mais il y a un mouvement quand même. Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est tous les crochets? Oh, si on change l'humidité entre jour et nuit, oh, là c'est nuit et jour, entre, donc avec très haute humidité la nuit, c'est fermé, ça va être ça va être ouvert pendant la journée quand ça sèche et fermé la nuit. Et des petits crochets s'accrochent et peuvent mettre ce grain de nager sur le sol ou dans le sol et de quitter l'emplacement de la plante mère. Donc ça, c'est rigolo parce que les tissus qui se construisent, ces antennes-là, c'est le tissu mort. Donc il n'y a rien qui vit là-dedans. Le seul truc qui vit, c'est la graine elle-même. Et donc, juste en jouant avec l'architecture, on arrive à avoir un système qui est à la fois structure et moteur dans un seul objet. Et c'est un moteur qui est contrôlé par le soleil, donc c'est un truc sympa pour l'environnement ou quelque chose comme ça, juste pour taquiner. Bon, maintenant je vais passer à un autre style de mouvement qui est encore plus différent. Donc ce mouvement-là, c'est très intéressant, c'est dans le ice plant, Mittagsblume en allemand, je n'ai pas trouvé en français. C'est une plante succulente qui se trouve sur les côtes d'Afrique, aussi sur la côte d'Australie, les mêmes espèces que je trouve chez moi à la plage. Et dans ces régions-là, on a les forts changements d'humidité. Okay? Donc, on a les changements d'humidité liés à le vent qui vient de la mer. Mais juste avec un changement d'humidité, il n'y a pas suffisamment d'eau pour faire pousser les graines. Donc, ce qui est marrant, et on ne sait pas toujours pourquoi, ces plantes-là se produisent les graines dans une petite poche. Et si on met un goutte d'eau là-dessus, ça s'ouvre dans une période très, très rapide. Donc ça, c'est en vitesse vraie, là. Donc là, on voit cette ouverture, on voit toutes les graines. Et maintenant, si plusieurs gouttes d'eau arrivent dans la structure, les graines vont être se jeter à l'extérieur de la plante. Et la plante va avoir les chances que ces graines peuvent se propager. Mais ce que je n'en comprends pas encore, c'est pourquoi ça marche avec de l'eau liquide et pas avec un changement d'humidité. Bon, comment ça marche, le mouvement?
Donc, pas le gonflement, on ne comprend pas encore, mais le mouvement, on a un peu une compréhension maintenant. Donc, dans ce tissu-là, la partie active, donc les portes là, ne changent pas trop avec l'humidité. Et une partie active qui est ce truc-là, et on peut le couper et le dissecter du système. Donc ça, c'est l'exemple là. Si on met un peu d'eau là-dessus, on voit la structure s'ouvre. Et ça c'est le moteur qui fait ouvrir ce système. Et si on fait des coupes transverses de cette structure-là, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dans l'état mouillé et dans l'état sèche, on voit on a une espèce de structure en nid d'abeille où dans les nids d'abeilles, il y a une espèce de gel. Bon, on ne voit pas très bien dans cette photo-là, mais on a une autre image que je vais montrer à tout à l'heure. Et on remarque que la structure, c'est très anisotrope. C'est un peu comme une structure accordéon un peu près. Donc, ça permet, quand ce truc gonfle, les pores entre les parois, le matériau là-dedans se gonfle, on va avoir une déformation très anisotrope. Encore, c'est que du cellulose, du hémicellulose et un peu de lignine. Donc, c'est le même matériau que j'ai parlé tout le long de cet exposé, mais organisé dans une façon différente, qu'on peut avoir un mouvement très anisotrope. Dans les trous de cette nid d'abeille, on a une espèce de structure aussi poreuse. On ne sait pas trop ce que c'est exactement. Avec nos enzymes de cellulase, on peut retirer quelques parts de cette structure, pas tout. Et après ce traitement enzymatique, le mouvement ne marche plus. Donc, on a l'idée qu'on a quelque chose qui est compris, une espèce de net interconnecté qui se trouve à l'intérieur, mais la structure elle-même, on fait la recherche actuellement là-dessus pour se comprendre. Donc, bien sûr, ce qui est intéressant pour une personne qui vient de la mécanique, c'est de regarder, de faire des simulations de qu'est-ce qui se passe si on fait gonfler cette espèce de nid d'abeille. Bien sûr, juste par cette architecture-là, on va avoir un mouvement très anisotrope dans les deux directions. Alors, je vais voir si j'arrive à trouver. Je pense que ça va très long. OK. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de construire des cartes de déformation en fonction de la pression à l'intérieur de ces nids de baies, en fonction des propriétés mécaniques dont le module de l'élasticité, le raideur du matériau dans les parois. Et on peut avoir un très riche domaine de déformation dans les directions perpendiculaires ou longitudinales au long de ces parois. Une autre partie de cette déformation qui est intéressante, c'est le tissu, cette quille, cette tissu moteur est attaché à la porte de ces coquilles ou fruits. Et quand c'est mouillé, la porte, c'est plus ou moins plat, mais quand c'est gonflé, quand c'est sec, on a un rétrécissement de ces tissus-là, bon, on peut regarder ces tissus-là, qui se fait qu'il y a une courbure de la porte. Une courbure qui fait
que c'est très difficile de l'ouvrir. Donc c'est un autre mécanisme pour fermer la porte et assurer que il n'y a pas des animaux, des bestiaux qui va rentrer dedans. Et cette courbure, on peut simuler facilement avec des outils de la mécanique. Et puis on voit cette courbure qu'on avait pendant le rétrécissement, quand l'eau sort ou quand ça sèche. Donc le dernier exemple que je voudrais parler, c'est un exemple encore un peu différent. C'est la même chose, vous connaissez l'histoire. C'est l'exemple de Herodium Gunium. C'est aussi une plante qu'on trouve dans le croissant fertile. Et les graines sont dans l'état mouillé, sont attachées à la plante. Puis, après un moment, ils se sèchent. Et ils se jettent de la plante et ils vont avoir une forme finale qui a l'air un peu comme ça. Donc, on a cette spirale. Donc, si on remouille cette graine, on a quelque chose qui a l'air comme ça. On a retiré les poils pour ce qu'on voit de mieux. Si on le fait sécher, on voit que ça va commencer à bouger, j'espère. Oui. Et on a cette motion en spirale, en chirale, qui est également fait juste avec un contrôle de l'architecture de cellulose et de hémicellulose et du lignine et les interactions avec l'eau qui se trouve dans la plante là. Comment ça marche? Là, c'est un système un peu différent, c'est un peu difficile de... Ça a pris quand même pas mal de temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais au lieu, en utilisant la diffraction aux rayons X, donc ça c'est des clichés originaux, on a constaté que le spirale de cellulose, ce n'est pas une spirale normale comme on a vu dans les autres plantes, c'est une spirale alignée. Et donc avec cet alignement au tilté, peut-être, ça c'est le mot un peu mieux. Donc avec cette tilt, au changement d'angle d'orientation de cette spirale, on arrive à avoir un mouvement qui est aussi également en spirale. On peut faire des simulations très simples là-dessus. Bon, ça va très vite, mais on peut faire ça peut-être. Si on fait des parties qui peuvent gonfler entre les parties qui ne peuvent pas gonfler en vert, on peut avoir cette forme de spirale avec une simulation très, très, très simple. Alors, bon, je pense à ce point-là, je vous ai parlé aujourd'hui de plusieurs exemples de plantes ou des systèmes de plantes qui peuvent bouger, qui peuvent développer des contraintes, juste en fonction de, premièrement, l'angle de cette spirale-là dans le bois, en changeant cet axe ou le tilt ou l'orientation de cette spirale, on peut aller à des mouvements qui ne sont plus longitudinales, mais qui arrivent avec le mouvement en chiral. Si on remplit les cellules avec des fibres de cellulose, également la même chose, on peut développer des contraintes énormes dans les matériaux. Et en utilisant les formes en structure de nid d'abeille, dans lesquelles on met un matériau qui peut se gonfler, on peut contrôler l'anisotropie d'un gonflement. Tous ces exemples-là montrent que la nature utilise l'architecture dans les mêmes échelles sur lesquelles il ne veut pas aller dans toutes ces séries de lectures. Et juste par changer l'architecture, on arrive à avoir une richesse de mouvement extraordinaire. Et on va voir si ça marche le prochain diapo. Parce que là, on va... Ah, bien.
J'ai arrivé à la fin. Je veux remercier tout le monde là, spécialement Peter Fratzel, Michael Eder, Sébastien et Lorenzo. Et surtout Yves Brochet pour ses conseils pendant ma thèse, il y a un moment maintenant, et le conseil d'aller dans ce domaine après ma thèse. Et Stefan Weibel, l'artiste qui m'a donné la permission d'utiliser ces images de ces structures artificielles ou artificiellement biologiques qui donnent un joli contraste avec les images qu'on a vues tout à l'heure. Merci beaucoup.